Merci euh, de côté de Comics, en tout cas pour faire les études, C'était les attitudes bon, de Rodif, Ro évidemment, de, de, qui s'est passé sur la chaîne de No Life, justement. C'était euh, parce que c'est arrêté euh, bien tôt donc c'était trois saisons. Mais ça continue encore si vous voulez voter, de, si vous voulez encourager du côté Comics, que c'est un magazine extraordinaire. Alors, cette fois-ci. Maintenant, je vous ai promis quelques temps, mais après on va finir la bande CNE parce qu'après, après, il faut qu après euh, que je vais vous montrer maintenant, je dois faire une pause parce qu'il faut que mon portable soit chargé. Euh, J'ai acheté quand même euh, les figurines. Ah oui, parce que euh, dans les collections de, en tant que fan de comics, évidemment, il faut acheter aussi des figurines. Et on va commencer euh, tout de suite par les figurines évidemment qui, qui va passer demain justement sur la chaîne de Tonami, que, euh, la chaîne Tonami à 18h30 évidemment c'est le film animation de Wonder Woman et voici en version figurine, Alors voyez la version figurine en tout cas et ben elle n'est pas terrible du tout hein. donc ça se voit que c'est côté fabriqué euh, différemment, donc c'est on voit que c'est c'est côtés euh, petit plus côté enfant, donc voilà. Donc la graduation, franchement, il n'est pas terrible. Hein? Euh, voilà, donc vous voyez comme c'est. Alors, vous voyez la tête, franchement, euh, elle n'est pas vraiment géniale. Euh, on voit très bien le côté de moulage euh, qui est complètement plantage, justement. Et là, on voit vraiment ses côtés enfant. Alors, ça, c'est plutôt. Euh, Ouais, euh, plutôt faire de, vous allez euh, euh, faire des éditions de, de, de comics au fast-food euh, pour enfants, évidemment. Et là, ils vont trouver facilement euh, là-dessus. Et on voit très bien que, même côté de, de visage de Wonder Roman, justement, de, euh, il n'est vraiment pas, euh, pas vraiment le top. Hein. On voit très bien que, quand même. Côté moulage, on sait très bien que le film a fait un, a, il a fait un bon traité, justement. Et, et là, franchement, c'est pas tout à fait terrible. Regardez, euh, voilà, on va regarder plus près, et donc on voit quand même que c'est du fast-food pour enfants, évidemment euh, qu'on ne veut pas dire la marque, mais euh, c'est un peu plantage. Voilà, donc Wonder Roman, en tout cas, si vous n'avez pas vu, elle est sortie cette semaine de film. Moi, je vais essayer de voir samedi prochain, évidemment, ou peut-être le week-end prochain, pour voir le film justement et faire mon sujet de côté du film. Et si vous êtes fan de ce film animation, n'oubliez pas que Wonder Roman Film Animation va passer demain à 18h30 sur la chaîne Tonami. Après Wonder Woman, qui n'est pas tout à fait terrible, hein. on voit que c'est côté du fast food. Hein. Voilà, il y a mieux. Il ouais, y a mieux, voilà, qu'on peut dire. Allez, tout de suite, on va comment on va montrer d'autres figurines. C'est notre ami Tortue Ninja. Donc, Tortue Ninja, c'est ses versions Raphaël, ces fois-ci. Euh, Comment il est Comment je trouve Eh ben bon, déjà, ça se voit que côté moulage, il y a bien respecté le côté dans l'esprit des comics. Donc, je vous rappelle que Tortue Ninja a été créé en 1984, euh, que, vous avez, que vous avez vu à l'instant euh, de reportage, bien sûr, de, de côté de comics. Et euh, voilà, donc le personnage, est quand même, le visage est bien aussi. Bon, le corps, il n'est pas. pas de, 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 évidemment, le de, de côté de. Le corps de, des cahiers, évidemment, c'est bien réussi, même. Voilà. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'ils ont foutu le côté, le pied de. De, évidemment, de mon autre ami Raphaël, quand même. Euh, voilà, c'est. Voilà. C'est. Ouais, est... il peut faire entre mieux regarder. Voilà, il peut faire autre mieux. Hein. Bon, il tient debout, évidemment. Et puis la sacration du bras, euh, je suis désolé. Regardez, c'est c'est n'importe quoi. Ils ont ils ont ils ont massacré de euh, moulage carrément. Alors ça détruit déjà euh, pour les fans des tortues du Juna, comment Parce que moi, je suis fan des tortues du Juna, Donc cela là euh, quand même, il est quand même par, il est quand même quand même. Donc on voit très bien que là, c'est pas trop mal. Mais de côté, franchement. Euh, ouais ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'il qu fout euh, d'action donc d'accord mais on voit très bien que c'est quand même du plantage hein, donc on voit très bien que quand même euh, c'est euh, ouais c'est pour les enfants ça c'est pas euh, nous on trouve qu'il est, qu est un peu dommage qu'autre côté les, les figurines comme ça ils ont bien respecté l'esprit de, des comics qu'on peut dire d'accord ou même des séries animées mais euh, respectez bien aussi les figurines qui sont dans l'esprit des comics. Hein, parce que faire les trucs comme ça, euh, d'accord, c'est pour les enfants. Mais pour les vrais fans, on a besoin des vrais comics qui sont dans l'esprit de la succuration Mais assez parfait, quoi. Là, on voit très bien que c'est quand même du plantage. Et puis, franchement, je regarde... Ouais, oh, bah, bah, bah te casse pas la gueule, Raphaël. Hein. Attends, oh, je te montre. Hein. Voilà, donc. Euh... Voilà, ça c'est. Vous voyez, le, le bruit, c'est pas tout à fait terrible. Hein. Donc, on voit que. Euh, ouais, c'est. Le moulage est mal fait. Euh, c'est vraiment complètement plantage. Mais en tout cas, je suis content de voir ce. de collection comme ça, les Tortues Ninja, parce qu'il me manque donne un tel lot. Et puis, euh, et bien sûr. Et Néonardo. Hein, bah, pas... J'ai mis comment mais je vais le trouver un peu plus, plus tard dans la collection. Mais en tout cas, moi je suis fan des tortues mais par contre, les figurines n'est pas euh, tout à fait terrible. Et puis, euh, vous connaissez euh, depuis début des années 90, euh, vers 2004, qu'il y avait la série, justement, euh, qui, euh, même, qui passe tous les jours à 7h05 sur la chaîne Tonami, justement. On va parler Tinted Tanks, Tint, mais pas n'importe laquelle. Non, on parle pas de Robin. Non, on ne parle pas de Raven. Non, on ne parle pas de Changelin. Euh, on va parler de notre ami Cyborg. Voilà. Voilà Cyborg, Au cas. Alors, euh, par contre, il est plutôt plus Russie que, que Water Roman et un petit peu à peu près, de, à peu près de, de Rafen. Donc, on voit très bien que là, c'est côté euh, bien respecté, quand même, euh, du côté de, de, de moulage, quand même. Euh, qui sont plus côté aspiré de dessin animé, qu'on peut dire carrément. Et euh, là, le corps est bien respecté. Donc, on voit bien que c'est côté de cyborg. Et on va avancer côté visage aussi. Vous ah, voyez, côté visage, attendez, on va faire comme ça. Vous voilà. voyez, côté visage, que c'est presque réussi quand même. Mais là, je trouvais quand même du côté de visage là, où il y a. Côté des armes, là, vous qu'il y a un rayon rouge de cyborg et pas tout à fait terrible. Alors, je trouve quand même, euh, ouais, c'est quand même pas mal à voir cyborg comme ça, quand même. Euh, c'est le terrain, l'essence le, du de, cinéma, de on comprend bien justement. Mais quand même, il y a quand même un petit peu de foutage de gueule, quand même. Hein. J'ai bien dit, foutage, oui boum, foutage de gueule. Voilà comment on dit. On voit très bien côté le euh, moulage. On voit de côté de moulage de, des armes. Euh, c'est version canon laser. Il est vraiment complètement plantage. Hein. Euh, par contre, on voit, que, on voit très bien que là, c'est euh, vraiment, euh, vraiment euh, plantage du tout. Euh, regardez ce côté-là. C'est mal. Mal moulé, euh, ils, ont, ils ont, fait, ont bien, bien, on voit très bien que quand même c'est le plus au côté de Manchina, hein, c'est Manchina qui fabrique comme ça, et euh, on voit très bien de ce côté-là, c'est quand même pas tout à fait Russie, hein, donc euh, même euh, on voit quand même, euh, excusez-moi, so par contre la sécurisation de. de... Qu'est-ce qui est quand même plus gagnant Adam dans les canons, c'est quand même le quand même, la circulation de, du canon, quand même, des armes, attends, on va pas trop le casser, parce que ça, c'est pure collection, en plus, ça m'a coûté 6 euros, donc, évidemment, et quand même, la circulation, il est quand même plus respecté que côté Raphaël, ou hein, côté Raphaël, donc, euh, cela, c'est un bon point, comme on peut dire, notre bras, évidemment, on va faire doucement, parce que c'est comme fragile, comme hein, on peut dire, c'est, oui, c'est ici du plastique, hein, c'est du fragile, et c'est pure collection, alors, donc voilà, c'est ces côtés. On revient tout de suite. Voilà, excusez-moi, je suis gaucher. Hein, donc, euh, non, voilà, je n'arrive pas à voir la main droite. Donc, on voit très bien, quand même, là-dessus, là côté de, de circulation de bras est pas mal. Euh, côté de jambes, on va essayer de voir. Ça bouge pas assez. Je, je trouve c'est pas mal. Si ça. C'est pas mal quand même. C'est bien respecté. Et là, quand même, c'est quand même pas si mal du tout. Et on trouvait que franchement, c'est bien réussi. Alors, par contre, moi, quand je trouve c'est dommage là-dedans, regardez, on voit très bien que là, c'est. Bon, c'est usé. On voit très bien parce que c'est très ça. Oui, ça, parce ça, que c'est quand même les enfants qui jouent ça. Et ça, c'est très usé. Là, vous voyez, là, euh, malheureusement, euh, normalement, il va voir un bruit de électronique de voix de cyborg justement et ça marche à pile le problème c'est que on voit très bien que là c'est bien respecté de moulage mais quand même je trouve que c'est un peu dommage là-dessus que il manque des piles bon bah c'est moi c'est juste pour la collection mais on trouve quand même euh, il est plus respectif mais on voit la carrure quand même du dessin, on voit la carrure de là-dessus, quand même, que c'est euh, pas bien respecté dans l'esprit du de design animé. Voilà. Et... Mais quand même, qu'on dit, on dit, ouais, c'est pas si dit n'importe quoi. Non, mais je vois, parce que là, on voit très bien que c'est fabriqué Machina. Donc vous savez que les jouets américains, euh, qui sont plus respectés dans les comics, ou même qui sont fans des, des super-héros, voient quand même. Euh, petit touche euh, négative quand même bon voilà quoi négatif voilà donc on peut dire carrément que euh, c box c'est pas très mal en plus il est sorti juste euh, il est sorti en 2005 je crois qu'on figurine et quand même je trouvais que c'est pas mal Russie voilà donc euh, moi je trouve que c'est bien mais il euh, je... ya juste la collection qui est pas mal mais on voit trop quand même que là de côté la carrure du dessin, c'est pas maltrait aussi, mais on, on sent comme il y a un petit peu plantage. C'est fabriqué quand même, euh, c'est bien respecté, mais on sent que ça a pas un plantage. Voilà, ça, donc c'était les jouets. Alors de mon avis, bon moi j'ai dit Seabog, chapeau quand même, parce que c'est bien respecté côté de dans l'esprit de, de bande dessinée, donc euh, dans l'esprit des comics et des séries animées. Euh, donc ça, je trouve que franchement c'est extraordinaire. Et bon, c'est un peu dommage que là, c'est un peu loupé côté de ce côté-là. Que là, c'est quand même plus réussi. Donc, j'ai trouvé que là, là-dessus, euh, c'est un peu dommage. Mais quand même, la sécurisation des bras et des jambes, c'est pas mal aussi. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est assez bien. Après, c'est Raphaël. Évidemment, de mon avis, Raphaël, justement, ben ouais, c'est pas mal. Mais euh, voilà, c'est c'est pour nous c'est décevant quoi c'est décevant donc voilà donc c'est un peu décevant là-dessus et ça se fait pas et puis on va terminer par Wadornman bah voilà écoutez c'est le seul super-héroïne c'est dommage parce que c'est on voit très bien c'est fabriqué par Machina il s'est fait fabriquer c'était par de fast food ben c'est pas gagné encore et ça c'est le seul plantage qu'on a voilà, c'est le seul plantage. Et je suis un petit peu déçu parce qu'il peut faire mieux que ça, Wado Roman, quand même. Hein. Je suis un peu déçu. Même je suis fan de Wado Roman. Franchement, c'est un peu décevant. Alors, si vous aimez ça, justement, vous attaquez pas. Il y a d'autres jouets que j'ai achetés pour me donner mon avis. Allez, je vais faire une petite pause. Et on se retrouvera avec, après la pause, après mon chargement de portable. On va se retrouver à Masse de Comics. Et je ferai encore les ateliers des Comics. Allez, à plus tard, après la pause de chargement de portable. À plus tard, mes amis. Et à t'as à vous. Surtout toi, Raphaël. Hein. Tu peux faire mieux, hein, parce que c'est un peu décevant. Mais on t'aime quand même, tortue ninja.